Voici donc venu le temps de reposer nos vies dans sa parole. Voici venir le temps de donner de l'espace à notre prière. Et voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit et qui nous réunit ce matin. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint soit avec vous tous et qu'elle nous achemine vers la joie, cette joie qui est au-dessus de toute joie. Nous invoquons notre Seigneur. Je vous invite à vous lever. Avec ces paroles du psalmiste. Vous, tous les habitants du monde, criez de joie pour l'Éternel. Servez l'Éternel et approchez-vous de lui dans la joie. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes à lui. Il est notre berger. Nous sommes son peuple. Nous sommes son troupeau. Entrez dans son temple en disant merci. Allons dans la cour du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui grâce. Et nous chanterons donc maintenant ce très beau psaume, le psaume 130 qui se trouve page 145 dans vos recueils. Nous chanterons les trois premières strophes du psaume 130 qui est aussi appelé le De Profundis. Mais là, c'est la version de Clément Marot que je vous invite à chanter. Thank you.
Écoutons maintenant ce que Dieu nous invite à faire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand, le plus important. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Notre Dieu, tu nous appelles à aimer, à t'aimer, à aimer notre prochain. Malheureusement, nous avons bien du mal à mettre en œuvre dans notre existence cet appel à aimer. C'est pourquoi nous nous présentons devant toi tels que nous sommes, des humains, mais nous sommes dans la confiance et la prière. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelée ta fille. Je ne suis pas digne d'être ta servante. Seigneur, nous vivons avec nos simples forces humaines et nous essayons de nous passer de toi, nous t'oublions. Tu deviens un étranger et nous n'osons pas revenir à toi. Mais il suffit que tu pressentes le moindre mouvement de retour en nous, même de très loin, et tu accours vers nous. C'est toi-même qui viens nous réconforter, nous réconcilier, qui nous tend les bras, qui nous serre sur ton cœur. Tu nous regardes et ton regard nous purifie. Il nous transforme. Nous sommes si misérables, mais ton cœur est si grand et ton amour infini. Père, ta bonté dépasse ta justice et tu fais fondre en nous toute résistance à ton amour. Amen. Devant Dieu, toute femme, tout homme, quel qu'il soit, a la même valeur. Sais-tu que tu es enfant de Dieu, que tu es aimé de Dieu, que pour toi, il donne tout, que son amour te bénisse, que son pardon te relève et que sa paix t'accompagne. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Et c'est encore avec un psaume que nous pouvons confesser notre foi chrétienne. Cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure tout mon être. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je vous propose d'entendre deux textes bibliques aujourd'hui. Le thème, c'est face à l'épreuve. Mais donc voici deux textes. Donc je vais vous lire maintenant ce psaume, ce magnifique psaume 130 que nous avons chanté tout à l'heure. Alors je vais, les paroles toujours des cantiques doivent être poétiques, donc la traduction n'est pas littérale. La traduction, je vous propose, n'est pas littérale non plus, mais elle est quand même un peu plus proche du texte. Mais bon. Alors, donc, le psaume 130, cantique des montées. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, tout mon être espère. Et je m'attends à sa parole. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, à partir du verset 39, c'est ce qu'on appelle la prière de Gethsémané. C'est Jésus, alors qu'il sait que sa mort approche, et on est quand même le deuxième dimanche de carême, donc on nous invite à réfléchir quand même sur ces textes, eh bien, se retrouve dans un jardin, et avec ses disciples, et il prie. Donc voici l'évangile selon Luc au chapitre 22 à partir du verset 39. Jésus sortit, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez, afin de ne pas entrer dans l'épreuve ». Puis il s'écarte d'eux, à la distance d'un jet de pierre environ. Il se met à genoux pour prier, en disant « Père, si telle est ta décision, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui advienne, mais la tienne. » Alors un ange lui apparaît du ciel pour lui redonner des forces. En proie à l'angoisse, il prie avec plus de ferveur encore et sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Il se relève de sa prière et va vers les disciples qu'il trouve endormis de tristesse. Il leur dit alors, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer dans l'épreuve. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. » Et je vous invite maintenant à chanter le cantique que je retrouve. Je vais retrouver... Le cantique 33-21, page 421. Et nous chanterons les quatre premières strophes. Ô Jésus, ta croix domine. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce très beau cantique aussi.
Alors c'est vrai que face à l'épreuve, face aux épreuves, nous nous sentons bien souvent très démunis, voire complètement désarmés. Et pourtant, il y a quelques éléments dans le texte biblique qui nous invitent justement à combattre quand même. J'ai employé des termes un peu militaires, entre guillemets, mais le combat dont je parle n'a rien de militaire, c'est un combat spirituel avant tout. Et ce combat spirituel, eh bien, il se joue dans la prière. Alors, la Bible a un livre merveilleux, le livre des psaumes, 150 prières qui nous disent toutes les situations de l'homme, de l'être humain, tout ce qu'il peut ressentir. Je vous assure, lisez les psaumes et vous verrez toute cette palette. Alors évidemment, il y a beaucoup de louanges, hein, le livre de psaumes d'ailleurs, en hébreu, on dit Sefer Tehilim, c'est-à-dire le livre des louanges. Mais avant toutes ces louanges, il y a des cris de détresse, des cris de désespoir, des cris presque de rancœur envers Dieu. Il y a tout cela, il y a de la violence, il y a des désirs de vengeance. Eh bien les psaumes, oui, nous invitent à déposer tout cela devant Dieu. Et peut-être que le déposer devant Dieu, ce devant Dieu si cher à Luther, à Martin Luther, on dit en latin, je connais rien en latin, mais je connais quelques formules comme ça, coram Deo. Alors ça, c'est vraiment la formule de Luther, être devant Dieu, se présenter devant Dieu. Et ce matin, j'ai choisi particulièrement ce psaume 130. Ce psaume 130, qui, on nous dit c'est un psaume de montée. Alors il y en a pas mal comme ça qui se suivent vers la fin, autour d'ailleurs de ce psaume 130, vers la fin du livre des psaumes, qui sont des psaumes de montée, c'est-à-dire des psaumes de pèlerinage que les pèlerins, paraît-il, disaient lorsqu'ils montaient au temple de Jérusalem. Mais c'est intéressant parce que ce psaume des montées, eh bien, résonne tout de suite pour tout le monde, puisqu'il commence par « du fond de l'abîme ». Nous sommes invités justement à remonter. Et celui qui prie se présente dans sa détresse totale, du fond de l'abîme. C'est un psaume qui a profondément marqué, et qui marque toujours d'ailleurs, le judaïsme, le christianisme, qu'il soit protestant ou catholique. Martin Luther, que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, parle énormément de ce psaume. Et lui, il a traduit du fond de ma détresse, en quelque sorte. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on a chanté tout à l'heure. On verra qu'il peut y avoir une autre explication. Mais c'est vrai que la première chose que l'on entend lorsqu'on entend ces paroles, c'est que cet abîme dans lequel celui qui prie se trouve, eh bien, fait écho à nos détresses, à toutes nos détresses. Du fond de ma détresse, je t'appelle. C'est la traduction en français de Martin Luther, enfin lui il l'a traduit en allemand. Du fond de ma détresse, je t'appelle, ô Éternel. Et déjà, rien que par ces quelques mots, eh bien, celui qui prie, qui peut être nous, parce que des fois c'est difficile de prier, je reconnais que prier lorsque on est au fond du fond, c'est quelque chose de très compliqué, on ne trouve pas toujours les paroles. Eh bien, on a cette richesse, cette extraordinaire richesse qu'est le livre des psaumes. Eh bien, du fond de ma détresse, je te prie. Et c'est ça, la force des psaumes, c'est-à-dire que bien que l'on parle de sa détresse, petit à petit, en se remettant dans la prière face à Dieu, eh bien, on est relevé. Et être relevé, c'est le verbe de la résurrection, c'est-à-dire que l'on peut vivre à nouveau, peut-être pas comme avant, certainement pas même comme avant, mais on peut affronter le monde, affronter la vie. Ainsi, ce psaume est presque un résumé de tout l'Évangile, parce qu'il nous dit à la fois notre difficulté, et on va voir que il y a plusieurs difficultés qui sont évoquées, plusieurs détresses, plusieurs épreuves qui sont évoquées dans ce psaume. Il nous dit cela, ce psaume, et en même temps, il nous dit l'amour et la grâce de Dieu. Donc ce psaume est un résumé presque, je pourrais dire, de toute l'Écriture. Il y a d'autres textes qui sont comme ça, mais celui-là, vraiment, il a cette force. Cette force qui nous dit que nous pouvons compter sur Dieu, même dans les situations les plus désespérées. Même si nous ne savons pas quoi faire, eh bien nous pouvons compter sur Dieu. Peut-être que nous ne pouvons pas compter sur nous, sur les humains, mais cela nous invite à compter sur Dieu. Même lorsque nous sommes face à l'épreuve, quand la détresse nous submerge, eh bien tout ce qui nous reste, c'est de crier vers Dieu, et Dieu nous entend et Dieu nous relève.
Même, vous l'avez entendu, il parlait des fautes lorsque nous nous sentons coupables, nous nous sentons pécheurs, comme on dit, eh bien, hyper honteux de nos fautes. On pense qu'on a fait des choses irrattrapables, inexcusables. Eh bien, Dieu nous dit que malgré tout et contre tout, il nous aime, il nous pardonne, il nous aide à avancer. Laisse même lorsque nous sommes dans les ténèbres et qu'il nous semble que la lumière ne reviendra jamais, eh bien Dieu nous fait cette promesse que la lumière est au bout du chemin. Et même lorsque nous nous sentons emprisonnés, esclaves de tout ce qui peut poser sur nous, esclaves de nos deuils, de nos maladies, de nos souffrances, esclaves de nos désirs de vouloir trop en faire, de nos désirs de devenir quelqu'un d'exceptionnel, eh bien, lorsque nous sommes enfermés là-dedans, eh bien, Dieu nous dit que lui, il est celui qui nous libère. Et les psaumes, ça, n'ont de cesse de rappeler que Dieu est le Dieu qui libère, qui a fait sortir le peuple du pays d'Égypte, donc qu'il est un Dieu libérateur. Ce psaume nous dit « Tu pourras toujours compter sur Dieu, quelles que soient les circonstances, même si tout était de ta faute, espère en son aide, attends sa présence. » Il est comme une invitation qui nous dit « Vas-y, voir par toi-même, appelle-le, espère-le, attends-le et tu verras. » Bon, ça ne marche pas toujours du premier coup, hein. Il faut continuer, espérer. Et la prière, justement, c'est vraiment une force. Et Dieu nous rappelle dans la prière qu'il est plus grand que tout, qu'il est plus haut que tout. Alors j'ai beaucoup parlé de ce psaume qui nous aide même, je dois dire, dans l'épreuve. Mais ce psaume, nous pouvons l'entendre aussi quand tout va bien. Il y a des moments où tout va bien, il faut le reconnaître. Il y a des moments où pour nous tout va bien, même si autour, eh bien, les choses ne vont pas très bien. Il faut savoir aussi reconnaître et accueillir ce « tout va bien » comme une grâce. Ce psaume nous invite, en fait, non pas à dire « du fond de ma détresse », parce que c'est pas ça que dit le psaume en réalité. Il dit « du fond de l'abîme, je crie vers toi ». Du fond, des profondeurs de l'abîme, je crie vers toi. Ce psaume, en fait, il nous invite, même quand tout va bien, et peut-être surtout quand tout va bien, eh bien, de faire un travail qui fait que nous pouvons, eh bien, aller en profondeur, chercher en profondeur ce qu'il y a en nous, c'est-à-dire chercher Dieu. Des profondeurs, je t'appelle. Ainsi, on peut, cette deuxième lecture, je pourrais dire, qui ne s'oppose pas du tout à l'autre d'ailleurs, ce psaume nous aide à entrer au plus profond de notre existence. C'est là que quelque chose d'essentiel nous dit et quelque chose d'essentiel nous est offert pour vivre. C'est au plus profond de nous-mêmes que nous pouvons trouver l'Esprit de Dieu qui habite en nous, l'Esprit que Dieu a mis en chacune et en chacun d'entre nous, cet Esprit qui nous fait vivre, comme chantait dans la Sévenol, l'Esprit qui nous fait vivre, eh bien oui, cet Esprit est là, même quand tout va bien. Alors même quand tout va bien, on est invité à chercher. On est invité à chercher encore et encore, parce que justement, c'est aussi là-dessus qu'on peut s'appuyer quand parfois les choses chancellent autour de nous. Ce psaume nous invite justement à entrer dans les profondeurs, à nous poser cette question, qu'est-ce qu'il y a de plus profond dans mon existence ? Qu'est-ce qui est profond dans mes activités ? Qu'est-ce qui est profond dans mes projets ? Qu'est-ce qui est profond dans ma manière de vivre ? Cela aussi, ce sont des questions qui nous sont posées à travers ce psaume. Et nous pouvons crier encore et encore, « Des profondeurs, je t'appelle, éternel mon Dieu ». Tous les matins, réveillez-vous et dites ça, et je vous assure que votre existence peut changer. Alors, c'est vrai qu'on peut découvrir la profondeur de notre existence après des épreuves, on peut aussi découvrir la profondeur de notre existence dans la joie. Et lorsqu'il y a de la joie, eh bien, soyons dans la joie. C'est pas parce qu'à l'extérieur, il y a des gens au loin qui sont dans l'épreuve que nous pouvons accueillir la joie. Au contraire, peut-être que cette joie que nous accueillons nous aide à aller vers ceux qui sont dans l'épreuve. Parce que quand on est au fond de l'abîme, on a besoin qu'on nous tire vers le haut, que c'est Dieu qui nous tire vers le haut, mais des fois il nous tire vers le haut grâce aux autres. Il faut s'en souvenir et il faut se souvenir que nous pouvons être les forces de ceux qui tirent vers le haut les autres. Et ça, c'est quelque chose qui nous invite justement de passer de la prière à l'action. Mais avant d'en venir là, ce passage de la prière à l'action,
Parce que j'aime bien prier, mais j'aime bien me bouger aussi de temps en temps, même si ça ne donne pas toujours les résultats escomptés. Et je pense que vous aussi. Je pense que les deux sont vraiment, surtout en ce moment, je pense qu'on peut entendre combien ils sont imbriqués l'un dans l'autre et combien nos actions trouvent leur source dans la prière et dans notre confiance en Dieu, cette prière qui nous permet de découvrir l'amour de Dieu. Mais c'est aussi en prière que nous retrouvons donc Jésus, alors que le temps de la croix s'approche, il fait face à l'épreuve ultime. Alors cette prière de Gethsémané, on la trouve dans les trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. J'ai choisi de vous la lire dans l'évangile de Luc parce qu'elle commence par le mot épreuve, elle se termine par le mot épreuve. C'est d'ailleurs étonnant parce que dans nos traductions, en général, ce passage, on met toujours le mot épreuve. Alors que dans la prière du Notre Père, on nous dit « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Mais en grec, c'est le même mot. C'est-à-dire que cette prière, elle fait écho à la prière du Notre Père. Et je pense que Jésus, là, lorsqu'il se met à prier, lorsqu'il est dans l'épreuve ultime, il le sait et il doit faire un choix. Cela nous montre combien il est humain aussi. Lorsque Jésus entre en prière, il y a cela en tête. Il y a cela aussi en arrière-plan. Alors, évidemment, on peut entendre cette passage du Notre Père que Jésus nous enseigne. Eh bien, non seulement il nous l'enseigne, mais là, il le vit. Ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. Il le dit, combien il le dit éloigne de moi cette épreuve, et en même temps il dit, ben oui, l'épreuve finalement fait partie de notre humanité, et je suis pleinement humain, je ne peux pas moi me soustraire à l'épreuve. Et en cela, il y a quelque chose aussi qui peut faire écho même au tout début de la Genèse. On est dans un jardin, Gethsémané. Bon, dans l'évangile de Luc, c'est un peu moins clair que dans les autres évangiles, mais bon, peu importe. Et dans ce jardin, il se passe quelque chose d'insolite, quelque chose qui s'oppose presque à ce qui se passe dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, ce n'est pas l'homme, l'être humain, qui se soumet à la volonté du Père, parce qu'il y a aussi cela dans la prière de notre Père. Eh bien, en fait, c'est l'humain qui se soumet à sa propre volonté, qui passe à travers la volonté du Père. Alors que là, Jésus renverse complètement la chose et il se soumet à la volonté du Père. Il nous rappelle combien c'est important dans notre vie. Il faudrait vraiment préciser ce que c'est que la volonté du Père. Mais nous le savons, je vais le faire en très résumé, c'est aimer Dieu et son prochain, comme nous le disons très souvent, au moment de la loi, au moment de la liturgie dans notre Église, aimer Dieu et son prochain. Et les aimer jusqu'au bout, c'est ce qu'a fait Jésus. Il ne nous demande pas de faire la même chose, hein. Forcément. Et aimer jusqu'au bout, ce n'est pas comme une lecture sacrificielle. D'ailleurs, il n'y a pas de sacrifice de Jésus. Jésus choisit Jésus. C'est lui, de manière tout à fait debout, il se présente. Il a choisi. Ce n'est pas les autres qui lui font subir cela, c'est lui qui accepte, et il accepte pleinement d'aller jusqu'au bout, parce que ce message d'amour qu'il nous adresse, eh bien, il l'aurait trahi s'il n'était pas allé jusqu'au bout. Jésus choisit, il accepte, cela nous est dit dans l'évangile de Jean, cela nous est dit là aussi, il accepte de faire la volonté du Père, il accepte d'aimer jusqu'au bout. Alors on voit bien quand même que c'est dans la souffrance. Dans l'évangile de Luc, en plus, on nous parle qu'il sa sueur se transforme en goutte de sang. On voit combien il est humain et combien il souffre. Mais c'est son combat indispensable qui lui permet d'affronter le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, il faut se balader un peu dans tous les évangiles. Il nous dit qu'il n'est pas du monde et que du coup, nous ne serions pas du monde. Nous ne serions pas du monde, mais il nous faut affronter le monde qui est bien souvent inhospitalier. Il nous faut faire le deuil de notre propre volonté et essayer de retrouver particulièrement à travers la prière la volonté de notre Père qui ne correspond pas et de loin toujours à notre attente. Eh bien, oui, voilà. Jésus se présente ainsi en prière. Il l'a déjà éprouvé d'ailleurs. Dès le début de son ministère, il y a ces
40 jours de tentation dans le désert, qui d'ailleurs, c'est là-dessus que s'appuient ces 40 jours avant Pâques pour faire 40 jours de carême. Nous sommes invités, peut-être pas à jeûner, mais en tout cas à nous tourner vers Dieu, à nous tourner vers et à regarder notre humanité en vérité, un peu comme dans ce psaume où on dit « du fond de l'abîme », c'est-à-dire reconnaître notre fragilité, reconnaître avec humilité que nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin des autres, nous ne sommes pas tout-puissants et que, en effet, nous avons énormément de choses qui peuvent nous assaillir et qui peuvent nous ébranler, les épreuves que nous sommes obligés de traverser. Mais ce psaume dit aussi dans la confiance que Dieu est à nos côtés. D'ailleurs, tout se passe dans un jardin, le jardin de Gethsémané. Mais dans la Bible, nous avons un jardin. Tout à l'heure, je parlais des livres des psaumes. Eh bien, ce livre des psaumes est un jardin. Est un jardin qui commence d'ailleurs par ce heureux l'homme, magnifique, heureux l'homme, c'est-à-dire qui marche selon la volonté. Et il nous dit, ce heureux d'ailleurs, il veut dire aussi en marche, en route. C'est les deux significations de ce mot en hébreu qu'on peut intraduisible en français, heureux l'homme ou en marche, l'être humain qui choisit d'écouter le Père, puisqu'il s'agit bien d'écoute et de mise en œuvre, tout comme Jésus écoute son Père, là, dans le jardin de Gethsémané. Donc ce livre des psaumes qui compare l'homme à un arbre qui prend ses racines dans l'eau et qui du coup peut croître, grandir, donner du fruit, cette magnifique image de l'arbre. Alors oui, il y a un jardin dans la Bible, c'est les psaumes. Nous sommes invités à lire encore et encore ces psaumes et ainsi nous retrouver dans un jardin où Dieu est à nos côtés, un jardin où nous pouvons entendre sa volonté. Alors, donc, ce magnifique jardin. Tout à l'heure, je parlais de la prière à l'action. Parce que, en effet, bon, ce que je vous ai dit, ça peut paraître assez sombre, mais en réalité, c'est vraiment une bonne nouvelle, hein, cette prière que nous avons, cette manière dont on peut être renouvelé, que Dieu peut nous relever. Eh bien oui, c'est une très bonne nouvelle. Et parler de l'épreuve, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on est forcément dans l'épreuve, mais c'est bien qu'en ce moment, quand même, la terre tourne rond, peut-être, mais que les humains ne tournent pas toujours très très rond. Et que ça fait un bout de temps quand même qu'on affronte quelques difficultés, c'est un euphémisme, mais en tout cas, nous pouvons nous appuyer sur Dieu. Et nous appuyer sur Dieu, mais la prière ne suffirait pas si elle ne nous mettait pas en mouvement, en action, comme dans ce heureux, en marche. Allez, oui, debout, et bouge-toi un peu. La prière, ça débouche aussi là-dessus. Et d'ailleurs, les psalmistes, eh bien, ne sont pas restés dans la prière. Le cantique de David, bah, David, il a combattu, alors c'est peut-être pas ça qu'on nous demande. Mais enfin, David, quand même, il n'est pas resté dans son coin à geindre et à pleurer. À partir du moment où on se présente devant Dieu, cela nous donne une force qui fait qu'on peut aller affronter le monde auquel nous n'appartenons pas, mais pourtant le monde dans lequel nous sommes. C'est ce que nous dit chapitre 17 de l'évangile de Jean, la prière de Jésus pour les siens. Nous sommes dans le monde. Et ainsi, cela nous rappelle que, eh bien, Dieu a besoin de nous. Vous savez, les disciples, vous l'avez entendu au moment de Gethsémané, ils dorment. Et ils dorment, ils ne sont pas à côté de Jésus pour prier avec lui. Finalement, d'ailleurs, est-ce que Jésus leur demandait ? Je n'en suis pas si sûre. Ils dorment de tristesse. Et c'est vrai, lorsque nous sommes dans une grande tristesse, parfois nous nous réfugions dans un sommeil, en tout cas dans une sorte de léthargie. Eh bien, en fait, cela nous invite, malgré tout et contre tout, à nous lever et à agir, à ne pas dormir. Bon, j'aime bien, moi, ces disciples qui dorment, parce que cela nous renvoie à notre humanité aussi, à nous. Nous sommes imparfaits. Et pourtant, Jésus continue à cheminer avec eux. Il les réveille et il les met en marche. Il sait qu'ils vont probablement s'éparpiller à droite, à gauche, au dernier moment, mais peu importe. Peu importe, parce qu'au matin de Pâques, c'est encore eux qu'il choisit. Et c'est à eux qu'il s'adresse. Et c'est à nous qu'il s'adresse aujourd'hui. À nous qui sommes loin d'être parfaits avec nos petites forces. Il nous dit, oui, vous pouvez faire des choses. Alors c'est vrai qu'il y a des situations qui nous semblent absolument impossibles à résoudre. Et oui, nous ne sommes pas tout-puissants.
Et d'ailleurs, ceux qui se croient tout-puissants, vous voyez les dégâts que ça fait. Donc surtout, ne soyez pas tout-puissants. Mais surtout, ne vous découragez pas. Vous pouvez passer de la prière à l'action. Vous vous sentez désarmé face à certaines situations, mais il y a plein d'autres situations dans lesquelles vous pouvez vous engager. Aujourd'hui, évidemment, cette guerre en Ukraine nous pèse, mais il y a plein de choses qui se passent là, à notre porte, dans lesquelles nous pouvons nous engager. Et même dans l'Ukraine, il y a plein de choses. J'en dirai pas mal tout à l'heure au moment des annonces. On peut participer à l'accueil des réfugiés, on peut aider financièrement, humainement. Il y a plein de choses à faire. Et puis il y a plein de choses à faire aussi parce que c'est pas parce qu'il y a la guerre en Ukraine que toutes les autres misères ont disparu. On peut être là aussi pour consoler les malades. On peut être là aussi pour aider ceux qui sont dans la pauvreté, dans le dénuement, ici, là, à nos portes. Et puis les conflits ne se sont pas arrêtés ailleurs, vous savez, au Yémen, en Arménie. Des conflits, il y en a partout. Des besoins, il y en a partout. Alors oui, nous pouvons nous engager. Il y a toujours un lieu, un moment où nous pouvons être engagés pour une lutte, un vrai combat, pour l'amour, pour dire que l'amour de Dieu est plus fort. Même si nous nous sentons démunis, ne soyez pas démunis, au contraire, engagez-vous dans ce combat pour l'amour, encore et encore. Sachez que Dieu a besoin de vous, que les autres ont besoin de vous. Et sachez aussi, parfois, être justement, et c'est à partir de là qu'on peut être relevé, dans ce dénuement, dans cette fragilité qui fait que, eh bien, pour l'heure, nous ne savons pas trop quoi faire. Mais devant Dieu, du fond de l'abîme, il nous relève, il nous révèle à nous-mêmes et il nous dit qu'il a besoin de nous, il a besoin de toi, il a besoin de moi. Oui, nous pouvons agir, pas forcément là où nous nous sentons impuissants et nous pouvons aussi reconnaître notre impuissance, mais bien là où nous sommes indispensables. Nous sommes invités à nous engager dans le combat pour l'amour. Et j'aime cette supplique, je dirais plus que prière, du fondateur de l'Armée du Salut. Alors certains le connaissent, et puis je l'ai déjà dit, mais j'aime bien la redire parce qu'elle me donne de la force. Autant j'aime le psaume 130, autant j'aime aussi cette supplique. C'est la fin de sa dernière prédication. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, donc ça, en 1912. Mais vous allez voir que ce texte est d'une actualité brûlante. Et je terminerai là-dessus. « Tant que des femmes pleureront, comme elles le font maintenant, je me battrai. Tant que des enfants auront faim comme aujourd'hui, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes allant en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique laissé à l'abandon, tant qu'il y aura dans la rue une pauvre fille perdue dans la rue, tant qu'il y aura une âme demeurant dans les ténèbres sans la lumière de Dieu, je me battrai et je me battrai réellement jusqu'au bout. » Lui qui était un homme profondément ancré dans la prière, il se bat jusqu'au bout, et vous voyez que les combats ne manquent pas. Alors oui, aujourd'hui nous pouvons dire que nous nous battrons. Amen.
Et nous chanterons maintenant le cantique 47-15. Nous chanterons la strophe 1, la strophe 2 et la strophe 4. Et je vous invite à vous lever le 47-15, page 744 dans vos recueils. Alors, quelques annonces. Moi, je vais commencer par l'Ukraine et après, je passerai aux annonces de notre paroisse. On écoute toujours mieux au début, donc en fait, voilà. J'avais envie de commencer par ça. Donc, je pense que c'est important. Donc, ce soir, ici même, il y aura à 19h30 un concert avec de nombreux chœurs orthodoxes, alors soit des églises russes et des églises aussi orthodoxes ukrainiennes. Donc, ici même, à 20h30, avec le chœur russe de Paris Znameni, il y a aussi le chœur de la cathédrale. Enfin, il y aura plusieurs chœurs orthodoxes, trois au moins. Et donc, d'ailleurs, c'est des très beaux chœurs. Si vous avez jamais entendu, c'est magnifique de toute façon. Voilà. Et donc, évidemment que la collecte, c'est entrée libre, mais la collecte ira en faveur des actions qui sont justement menées par, c'est beaucoup en fait des Ukrainiens de Paris. Donc ça, et c'est organisé en fait par l'association œcuménique Étoile Champs-Élysées, dont nous faisons partie. Donc voilà, concert à 19h30. Et puis, plusieurs choses sur l'Ukraine. Alors, j'ai eu des demandes, soit sur des gens qui ont des logements, soit des gens qui veulent contribuer. Il y a le CASP, le Centre d'Action Sociale Protestant, qui a été nommé, entre autres, pour accueillir les réfugiés, et donc, officiellement. Donc, vous pouvez vous mettre en contact avec le CASP. Vous tapez sur Google « Centre d'Action Sociale Protestant ». Et pour ceux qui ont reçu la newsletter, vous avez la lettre qu'a nous a écrit le CASP. Puis si vous voulez cette lettre, bah, vous me demandez, je vous l'enverrai par mail.
Voilà. Et ici même, nos scouts se sont mobilisés grâce entre autres à la présidente du diaconat, Aurore de Ferrières. Ils se sont mobilisés et ils sont en lien avec les scouts ukrainiens. Et je vais retrouver le message d'Aurore. Donc, ils sont en lien avec le groupe de scouts rattachés au PLAST. C'est le nom du mouvement des scouts d'Ukraine. Et en fait, ils font des actions. Alors, ils ont besoin surtout d'argent. Donc, la collecte de sortie sera, entre autres, pour cette activité. Donc, ils ont besoin d'argent et ils vont acheter, parce que c'est les scouts ukrainiens qui leur donnent la liste, surtout du matériel médical, du petit matériel médical, des pansements, des trousses de secours, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, c'est en lien et nos scouts iront l'acheter, feront les paquets, ils les amèneront aux scouts ukrainiens. Je pense que c'est bien aussi que, du coup, ça crée du lien entre ces forces. Et le scoutisme, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et c'est bien que nos jeunes aussi, très jeunes, puisque le scoutisme, très jeunes, ils vont participer à cette activité. Donc voilà pour l'Ukraine, parce qu'on a énormément de demandes là-dessus, en tout cas pour l'instant. Et puis on vous mettra au courant au fur et à mesure des événements et de ce que vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas à me contacter, à donner à la sortie pour l'activité avec nos scouts, ou bien, encore mieux, et encore, les trois, et venir au concert ce soir, où vous passerez de toute façon un bon moment. Puis je pense que c'est important pour nos amis ukrainiens qui vivent en France de se sentir soutenus. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Je pense que, humainement, c'est aussi très important. Voilà. Alors, passons maintenant aux annonces pour notre paroisse. C'est bien Raphaël, il me fait des notes, c'est super, merci Raphaël. Et du coup, au loin, vous pouvez voir tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est catéchisme et école biblique, on a repris enfin normalement. Donc, les jeunes vont déjeuner après ce culte et à partir de 13h jusqu'à 15h30, il y a les catéchismes et les écoles bibliques. Ça, c'est une première chose, c'est pour aujourd'hui. Ensuite, samedi prochain, il y a un concert orgue et voix avec notre ami Philippe Mead, qui est d'ailleurs à l'orgue et que je remercie. Donc il y aura avec son amie Clara Pierrard qui vient de temps en temps chanter ici. Non, c'est pas Clara? Bon. En tout cas, tu as une chanteuse avec toi. Oui. Ah oui, c'est le 26. Excusez-moi, c'est le 26. Oui. Je ne sais pas pourquoi, je crois qu'on est le 20 mars. Non, mais c'est parce que le 20 mars, je suis en vacances, donc je pense que... Voilà, je ne suis pas là la semaine prochaine. Donc le 26 mars, à 18h, ici même. Donc Philippe, avec des œuvres de Bach, vous avez l'affiche à la sortie. Et puis, vendredi, moi je me retrouve comme tous les vendredis à 13h, et nous continuerons notre lecture de l'Évangile de Jean. Et il y a, bien évidemment, la vente. Alors ça, je sais, c'est le 8 et le 9 avril. Ça, je sais. Et je laisse la parole à Hélène Michelin. Bonjour à tous, merci Florence. Donc vous allez recevoir le petit carton d'invitation pour la vente qui a lieu le 8 et 9 avril. La mise sous pli s'est faite jeudi dernier, donc vous allez recevoir ça. Toutes les personnes qui sont membres de l'Étoile, il y a à peu près 900 courriers qui sont partis. Je pense que vous allez le recevoir lundi ou mardi au plus tard. Donc ce qui serait bien, c'est s'il y a parmi vous ou parmi vos connaissances des personnes qui accepteraient de donner un petit peu de temps pendant ces deux jours, soit pour tenir un comptoir, soit pour nous aider à la préparation des repas, même si les équipes repas sont déjà prévues, mais on a toujours besoin de personnes en plus pour préparer et pour surtout débarrasser, enfin s'occuper un peu de tout ce qui gravite autour des repas. Et puis pour la kermesse aussi, pour la kermesse des enfants, on a besoin de personnes pour nous aider à animer les ateliers et les jeux pour les enfants. Et puis, il y a aussi les caisses. Il faut tenir les caisses. Donc, on organise des plages de 2 heures pour tenir les caisses. Il y a 3 caisses au cours de cette vente. Et s'il y a des personnes qui ont envie de passer 2 heures à une caisse, bon, pas très fun, mais pourquoi pas. Et on voit plein de gens passer, on discute en même temps. C'est pas désagréable. Donc, toutes les bonnes volontés, on sera content de vous recevoir. Et en tout cas, venez nombreux et en parlez-en autour de vous.
et nous sommes à votre disposition ce soir. Enfin, moi, je serai à la sortie du temple, si vous voulez. Si vous êtes embarrassé pour savoir qui contacter pour cette vente, vous pouvez toujours vous adresser au secrétariat de l'Étoile, et Charlotte nous transmettra, soit à Florence, soit à moi-même, soit à Laurence Paquement, tout ce que vous pouvez faire ou nous apporter. Ah oui, à propos d'apporter, si vous avez chez vous des objets, des beaux objets ou des objets dont vous voulez vous débarrasser et qui pourraient être mis sur le comptoir de la brocante, ça serait bien, ou des vêtements qui sont en bon état, peut-être marqués, mais en tout cas en bon état, et qui pourraient être mis sur le comptoir du vintage. Alors, vous pouvez nous les apporter dans le mois qui vient, quoi, jusqu'à 2-3 jours avant la vente. Vous pouvez les apporter soit ici, soit prendre rendez-vous avec Florence Blondon, avec moi-même, ou avec Laurence, ou avec Charlotte au secrétariat, pour nous déposer ce que vous avez à nous donner. Merci. Merci Hélène. Et donc, et je vous annonce aussi qu'il y aura l'Assemblée générale de notre paroisse se tiendra le dimanche 24 avril après le culte. Comme faut vous informer un mois à l'avance, c'est un peu plus d'un mois, donc le dimanche 24 avril après le culte. Mais vous recevrez d'ici là tous les éléments qu'il faut pour cette Assemblée générale. Vous les recevrez, et cette année vous les recevrez par mail, ceux qui ont des mails, parce que c'est plus simple, ça coûte moins cher, une douzaine de jours avant l'Assemblée générale. Voilà pour les annonces, c'était beaucoup aujourd'hui. Et à la sortie, vous avez la librairie, le miel et les scouts qui vendent des gâteaux. Donc voilà, on est une communauté vivante. Espérons que toute cette vie puisse aller au-delà de nos murs et profiter à bien de ceux qui en ont besoin. C'est maintenant un temps d'offrande. Je vous remercie d'avance de vos générosités. Et il y aura donc une offrande à la sortie, comme chaque dimanche, spécialement consacrée à l'Ukraine aujourd'hui et à l'échange entre les scouts de l'Étoile et les scouts ukrainiens.
Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Toi qui es chemin, donne-nous de croire qu'en tout chemin s'ouvre un passage. Toi qui es vérité, donne-nous de croire que de toute errance nous pouvons nous réveiller. Et toi qui es vie, donne-nous de croire que de toute mort tu viens nous relever. Montre-nous le Père qui n'est pas ailleurs, mais qui est là au cœur de notre humanité. Quand nous marchons, quand nous veillons, quand nous prions et quand nous vivons. Et c'est ensemble que nous disons cette prière que Jésus nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Et j'en profite pour remercier aussi Sophie qui nous a accompagnés au chant, et c'est vraiment un plus. Mais vous êtes nombreux et vous avez bien chanté aujourd'hui aussi, grâce à Sophie, entre autres. Et grâce... Que le Dieu de tendresse qui lève Jésus d'entre les morts fasse lever en nous tout ce qui est mort et qu'il nous conduise à la vie. Allons dans sa paix. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a déposé sur chacune et sur chacun d'entre nous et qu'il nous garde dans son amour. Le Seigneur est avec nous tous. Que le Dieu de toutes promesses fasse lever en nous la plus belle des moissons et qu'il nous transforme en semeurs de son royaume. Le Seigneur est avec vous tous. Allez dans sa paix. Amen.